Choose your character! Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Le Batfail est revenu, oh oui, et il est reparti. La dernière fois, ben j'avais failli à la fin. Alors c'est parti pour la suite, sur Batman Begins, avec un costume que j'ai essayé... Oh d'accord, c'est ça. Ok, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, ça se voit, putain, faut vraiment que j'arrête de... Et en plus il veut pas viser. Ah, j'ai ouvert le truc. J'ai récupéré des fumigènes, et bah tiens, on va les utiliser. J'ai ouvert la boîte pendant qu'il était en train de m'attaquer. Ouf, alors lui, c'est pris une patate. Oh, oh, on voit rien, mais c'était épique. Hop, hop, la petite attaque sautée. L'attaque de la gazelle, est-ce que je peux faire l'attaque? Hop, allez. Hop, voilà, l'attaque de la gazelle chauve-souris. Bah dis-nous, ça s'est bien passé. Voilà. C'est ça. Quand on arrête de jouer à ce jeu à bout d'un moment, on oublie complètement tout. C'est magnifique. Du coup, hop là. On continue pour la suite. Nous sommes dans les entrailles. Je sais plus dans les entrailles. Et maintenant, il faut passer par là. Non, je veux juste je veux jeter un coup d'œil. Il s'avance. Ah, il faut juste que j'attende le. Oh, la technique, c'était d'attendre. Et par contre, je suis complètement invisible. Invisible. Pas vu, je suis l'ombre, je suis la nuit. Je suis Batfail. Oh, voilà, petit massage cardiaque. Parce que je sentais qu'il avait mal au... Ah, voilà. Allez, Stoma. Ah, bonjour monsieur. Il doit faire froid quand même parce que il y a des ouverts, il y a des courants d'air ici. Ah, il regarde par la fenêtre, je fasse gaffe. Il part ici. Allez. Il y a du peuple. Ok, très bien. Ne pas ouvrir les portes, mec. C'est parti. J'ai essayé de changer de bas de costume, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai effacé ma sauvegarde où j'avais terminé le jeu, mais là je fais une sauvegarde où je continue une nouvelle partie, mais en ayant terminé le jeu. Et peut-être que c'est ça qui fait que bugger, que je ne veux pas changer de costume, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne peut pas changer de costume. Voilà. On peut passer devant? Oui, ça va. Il est assez con pour ne pas voir ce qui se passe. Ah, attends. Ah oui, ce con il va. Ok, d'accord, ok. Alors attends, on va passer de l'autre côté. Allez, je peux pas passer par là. Ah d'accord, okay. Arrête de tourner en rond, Thierry, tu me fais chier. Voilà, reste bien dans le dos. C'était chaud, mais je suis passé. Allez, c'est parti pour le petit interrogatoire. Comment tu t'appelles, Thierry? Tu sais qui je suis. Batman, pitié, ne me volez pas mon arme. Faux, c'est Batfail. C'est nouveau, ça. Dis-moi, où est Crane? Je sais pas, il ne dit jamais rien de ce qu'il fait. En tout cas, celui pour qui il travaille le terrifie. Là où je vole des âmes, c'est dans une famousse. Alors, s'il te plaît, regarde mon let's play. Qui c'est pour Crane? Le pilote, il y a un pilote d'Arkham sur le toit. Il nous apporte l'essence de Crane, il pourra vous conduire jusqu'à lui. L'essence, tu veux dire... Il l'a eu à combien parce que c'est chiant en ce moment? C'est quoi cette essence? Que prépare Crane? Je sais pas, une sorte de poison. Ceux qui l'ont manipulé ont eu des visions, ils ne dorment plus. Ils parlent de démons et de croque-mitaines. Ouais, tout ça c'est bien, mais comment il fait pour avoir de l'essence gratuite? Qui travaille Crane? Ou moins cher, je veux savoir. Aucune idée, mais c'est pas Falcon. C'est qui alors? Je sais rien de plus. Je sais, mais j'aime bien te frapper. Ça me défoule, j'ai des problèmes. Mes parents sont morts. Je suis amoureux de mon majordome et je veux pas lui dire. Voilà, tu connais tous les problèmes, quoi. Allez, bonne nuit. Ah, ça fait du bien de reparler à quelqu'un. Est-ce que mon psychologue me prend cher? Lui, au moins, c'est gratos. Avec ce pilote d'hélicoptère. Si je puis me permettre, monsieur, s'il peut s'enfuir, il n'a aucune raison de parler. Exact. Je vais d'abord bloquer l'hélicoptère et m'assurer qu'il restera cloué au sol. Hop là. Hop là. Hop. Toujours en discrétion la plus totale. Heureusement, il y a plein de trous dans ce bâtiment.
Ouh, et heureusement que Batman, il est pas gros, hein, parce que là, ouh, c'est chaud pour passer, quoi. Ça va, il mange pas trop de donuts, il est pas comme les flics. Batman fait un bat régime, c'est bien connu. Très bien. Ah ah! Il va falloir leur faire peur. Ah, ah, j'ai pas touché. Bon sang, ça sent le roussi. C'était pas un accident, il y a quelqu'un par là. Oh, c'est pas sûr. T'es stupide ou quoi? C'est nous qui étions visés, nous. C'est cette chauve-souris là. Arrête ça, mec. C'était lui. Oh, oh, il m'a attendu que je retombe pour me toucher. Bien joué à lui. Hop, l'attaque de la gazelle, je souris. Hop. Bon, là, l'autre, j'ai juste un petit coup de poing. Ah ah! Et. Bon, j'ai pas fait exprès, mais je l'ai fait quand même exprès. Ouf! Oh bah, j'ai terminé son pote devant lui. Hop, l'attaque de la gazelle, je souris. Oui, je sais, ça veut rien dire. Bon, allez, j'attends que tu te relèves parce que je suis gentil. Mais non! Mais continue à te battre! Oh bah, voilà, ça t'apprendra. Ok, très bien, maintenant. Oula, ou la caméra. Il faut pas tomber là parce que c'est l'amour sinon. On peut repasser là, oui d'accord, ok, très bien. Et hop, on peut passer par là. Hop, on fait un petit saut en avant parce que c'est joli. Ouh, un long couloir bien éclairé. Hein. Ah, hop. Ah, le fameux. La fameuse serrure à trois écrous. Point de contrôle. Prendre de la vie parce que j'ai fait un peu le con-con, hein. Tu as entendu parler de l'homme chauve-souris? Ouais, c'est grenade à volonté, longtemps, longtemps. Ça. On en parle comme si c'était un démon. Ouais, ça je sais pas. J'ai entendu des hommes de Falcon en causer. Et ils avaient pas l'air de blaguer, crois-moi. Coucou! Surtout ne regardez pas en haut! Ha! Merci! Comme dans tous les bons personnages de jeux vidéo, et tous les PNJ ne regardent jamais en haut. Falcon, c'est du passé. La police de Gotham l'a coincé. Non, c'était la chauve-souris. On raconte qu'elle se transforme en démon quand on a peur. Alors là, faisons gaffe. Personne ne me voit. Personne ne me voit. Lui va me voir, non? Je dirais plutôt que c'est toutes ces saletés chimiques qu'on transporte pour le professeur. Ça tape sur le système. Je sais pas, mec. Si plusieurs personnes font le même cauchemar, c'est peut-être plus un cauchemar. Ah, ça s'appelle une association collective, monsieur. Souvent faite dans les sectes et autres qui prennent de la drogue. Parce que la drogue, on le rappelle, c'est mal. Oula. Ok, d'accord. Il va me voir, lui. Faut que j'attende. La patience. La patience. Patience est mère de sûreté. Bloqué contre le mur. Allez. Petit saut. Heureusement, mes battes chaussures ne font pas de bruit. Hop. Parce que j'ai mis des semelles compensées. Ça évite le bruit. Et hop là. Ouf, le petit percute qui ne servait à rien. Ah. Je vois. Je les fasse exploser, mais faut que je fasse gaffe à pas me faire exploser avec. Je suis où là? D'accord, je suis là. Très bien. Ah, et le grappin. Très très bien. Faut que je les fasse exploser maintenant. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse maintenant. Oh putain, je suis tombé. Oh putain, j'avais eu peur. Je me suis fait peur tout seul, je suis tombé. Mais j'ai pas envie de tirer là-dessus. Bon bah, je reprends l'ascenseur, veuillez m'excuser. Petit à mon moment d'interlude. Voilà, on recommence.
Oh là là, réaction en chaîne et j'avais su destination finale. La mort veut des victimes. J'aime bien, c'est comme ils lâchent leurs armes. Ils se préparent quelque chose. Je pourrais faire exploser des trucs en bas ou pas? Non, je voudrais faire exploser des bidons. Comment ça a pu arriver? Je supporte pas la douleur, mec. Bon sang, comment un truc pareil peut se produire? Bon, je suppose que je veux pas les attaquer dans le dos. Et pour aller où? Ah ouais, galère. Ah ouais, j'aurais peut-être pu les attaquer dans le dos. Putain, merde. Oh putain, merde, je me fais enchaîner, je vois rien. La caméra. Oh putain. Là, oh là là, je suis au bord et il veut pas viser les ennemis. Hein. Et regardez-moi ça, je suis bloqué. Je suis littéralement bloqué. Putain. Alors j'appuie sur carré pour contrer et il y a un temps de malade. Allez, vas-y, viens. Merci. Oh là là. Mais non, mais. Mais je veux lui. Il vise l'autre derrière. Oh là là. Bon, l'attaque de la gazelle chauve-souris, ça marche bien. Il est pas. Bon bah merci, c'est facile. Merci d'avoir abandonné, mec. Tu me fais pas peur. Hop, allez, tombe en bas, meurs. Oh. Bah, un grand écart en tout cas. Ah, il y a encore un mec en bas, c'est vrai. Il a une batte de baseball. Attends, j'arrive, mec. Faut que je descende ou je peux le laisser tout seul parce que. Ah, d'accord. Voilà, il faut la clé du coup. Ta. Oh oui, d'accord. Bien joué. Tiens, dans ta gueule. Essaye de voir quelque chose là. Ouf. Hop, l'attaque de la gazelle chauve-souris. Il y en a encore un par là. Ah oui, il est crococu. Oh, il est en position latérale de sécurité. Ah, il avait la clé, le monsieur. Oui. Pardon, il y a une petite caisse. C'est quoi? Ah, transporteur HF. Pour mettre des chauves-souris. Comment je fais pour remonter? Ah, ah. Oh, oh. Ah, hi. Ça fait quoi si je les explose? Ah non, je peux pas les exploser d'ici. Ah. Ça me gêne. Bon, je reprends l'ascenseur. Oui, bah si je lance un batarang là, hein, le Batman il respire en chaud. Ah oui, il y a du feu. Hein. Oula, ça va, il est pas tout en flamme l'ascenseur. Il est bien quand même, hein. Les flammes s'arrêtent bien où il faut. Hein. Bah, je peux pas faire le pas de grappin. Hein? Quoi? Et qui quoi? J'ai pas compris! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon. Remonte mon interlune. Bon, apparemment, faut le faire ça. Ok, d'accord. Bon, J'ai bugué. Et en mode discrétion, j'ai le temps de me mettre accroupi. C'est en faisant tcha-tcha-tcha. Normalement je suis en 60 fps apparemment parce que je... Et je suis pas sûr, mais normalement je vais être en bonne qualité. Bon, juste comme ça. Par contre je suis j'ai popé beaucoup de vie, hein. J'ai pris ma chair, hein, en faisant de la merde. J'aurais bien une petite trousse de swing. Ce serait bien sympathique. C'est fermé? C'est fermé. Mais deux comme par hasard, dis donc. Et attention avec ce truc, mon pote. Évite de t'en mettre sur les mains. Crane dit que c'est inoffensif tant qu'on ne l'a pas traité. Ben voyons. Raconte ça au rejeton de Frankenstein en combinaison rouge. Les trucs chauves, là? Ouais, c'est eux. On leur rase la tête pour qu'ils ne se scalpent pas eux-mêmes. Ils auraient dû nous filer des gants. Ah oui, quand on travaille avec des produits dangereux, mesdames et messieurs, mettez toujours des gants. Pour votre propre sécurité. C'était le moment info avec Snake5130. Ah, d'accord, ok. Hop. Toujours, les ventilations sont mes amis. Et comme le ballon avec Olivier Tom. Oula. D'accord.
mauvaise solution, s'éloigner un peu plus loin. Écoute, des fois on essaye des choses. Einstein en combinaison. Alors hop là, hop là. Bon, ils reprennent leur conversation, hein, parce que je vais pas regarder à la porte, hein, mais vous l'avez vu la conversation. Eh, du coup là je peux. C'était quoi ça? C'était une mission fiscale, ce bannière. Quelque chose dehors. Tu vas bien? On a failli y passer. Oh mais putain! Hop! Une contre! Oh, y'a un mec par terre. D'accord, ça a pas touché le mec derrière. Mais ta gueule toi, je m'occupe de ton pote et après je suis à toi. Ouf! Ouf, ça fait mal. Allez, tiens, t'aimes les chauves-souris? Joyeux Halloween! Bon, je sais, c'est bientôt Noël, on va faire cette vidéo là. Ah, d'accord, bah, c'est la Mikaru direct. Enfin, c'est la Mikaru, ça l'a fait paniquer direct. Bonjour, j'ai des questions à vous faire, à vous poser. Ou pas du tout, je voulais juste récupérer la clé en fait. Je vous ai fait une fausse joie. Hein. Bon, il faut détruire ça par contre là. Non, faut pas détruire ça parce que c'est quand même de la drogue. La drogue, c'est moi le break. Bon, ok, d'accord. Bon, j'aurais été Batman, j'aurais quand même détruit ça, on sait jamais. Oui, j'utilise la clé. Ah ah. Il arrive, sois un peu patient. J'aime pas attendre. Et si les flics débarquent? Il te faut combien de temps pour faire décoller ce coucou? 10 secondes maximum. Gros, c'était gaffe. On est à l'heure des rats. C'est quoi le problème? S'il y a un pépin, tu mets les voiles. N'empêche, j'aime pas attendre. T'es pas payé pour aimer ça. On attend que mon gars arrive. Cray n'apprécierait pas que la cargaison arrive par petits paquets. On dirait quelqu'un a tiré sur la lune avec un sniper, hein. Référence de vieux, référence de GTA. Dans les vieux GTA, vous tiriez sur la lune et ça la faisait grossir. Je crois même qu'il y avait un code pour ça, mais je suis pas sûr. Seuls les vieux comprendront. Ah, les ventilations quand même à taille où on peut mettre un amacropi, c'est une belle invention quand même. En tout cas, tu dois avoir une bonne clim avec ça, hein, dis donc. Hein. Et bon courant d'air aussi. Ah, il y a un monsieur qui est là. On le voit sur la carte. Oh oh. Eh, je suis au bon moment. Heureusement là-bas, ils sont aveugles. Ils sont toujours. En plus, ils ont bien dodo. Et ça, c'est magnifique. Pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Lalalala. Ah bah merde. Il est ici. Il m'a entendu. Je sais pas, je sais plus. Voilà, à chaque fois que je joue à ce jeu, quand t'as fait un moment que t'as pas rejoué, que tu sais plus ce qu'il faut faire, bah je bloque souvent sur celui-là. A few moments later. Ah voilà, c'est ce trou là que je voyais pas. Ah, le trou dans la grille. Voilà. Oh là là, faut vraiment être aveugle comme moi pour le voir, pour pas le voir. Hein. Hop là. Et on monte à la corde. Pas au tuyau. Personne ne me voit. Je peux pas l'attaquer. Non, je peux pas l'attaquer. Coucou. Je suis juste un homme qui fait son sport. Ne vous inquiétez pas, en bas de pyjama. Oui, c'est mon pyjama de nuit, c'est pour ça. Oula, la petite plateforme. Okay. Hop. Oh bah bon, ok. Moi, j'étais prêt à partir pour planer, mais... Tac, tac, tac. Oui, alors, parce qu'il faut empêcher le pilote de décoller. Il me dit que je peux grimper là, mais je peux pas grimper là. Attendez, il y a un problème là. Ou alors il faut d'abord que je... Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'apparemment c'est assez solide pour faire ça. Oui, j'avais oublié, bah, excusez-moi. Non, c'est pas encore ça. Putain, merde. C'est chiant, des fois tu comprends pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que le jeu te demande? Faut que je descende ou faut pas que je descende? Non, si je descends, je me casse la queue. Ah, attends. J'ai compris, fallait que je reste sur le tuyau, je suis un homme. En tout cas, ces batarangs sont vraiment très aiguisés et font disparaître aussi les objets. Wouh!
Et heureusement, comme tous les autres échafaudages du jeu, tu pètes un truc et tout s'effondre. Ça, c'est un bon échafaudage. Par contre, là, il vole Batman, non, littéralement. Parce que comment il est monté, là, on aurait dit qu'il était tiré par un câble. Ah! Attends, t'es prêt à te battre ou là? Attendez, 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 attendez! Attendez, 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 les gars. Attendez, 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 je veux juste. Ah putain, je suis fait toucher. Je veux juste. Choisir. Je peux pas lancer, mais je suis bloqué. Mais je suis bloqué, alors je vous le dis, j'ai. Putain, depuis tout à l'heure, j'essaie de lancer, mais. Ah ouais, je peux pas. Bah oui, parce que. Voilà, je voulais choisir mes objets. Ah, c'est chiant ça, bordel de merde! Truc à la con. Oh, non, bah, je vais pas y arriver. Hein. Oh là là, merci! Eh! Putain, ils m'ont pourchassé les mecs, tu parles d'une menace? Le mec il se barre en soum-soum là. On se fait une petite course-poursuite. Allez! Paf! Ah, c'est horrible la gestion de l'inventaire pour prendre les objets, c'est casse-couille. Ta gueule! Voilà. Et toi? Ah, voilà, regarde mon pied comme il est beau. C'est la technique de regarde mon pied comme il est beau. Regarde ma belle botte. Et paf! Hop, et l'attaque! La chaussure et gazelle, vous l'avez tous dit, je le sais chez vous. Oh non, il était en vrai, il était debout moi. Il était pas au sol. Bon, je me suis bien fait défoncer la gueule. Je me suis bien fait humilier. Tu parles à Batman, il est magnifique. Le pilote, il a vachement peur maintenant d'un coup. Dis-moi où est ton chef. Et qu'est-ce que... Je sais pas de quoi vous parlez. Je travaille pour personne. Dis-moi où est Hannibal. Mensonge. Ah non, attends, c'est pas tu le bon travail. Pour le professeur Jonathan Crane. Et tu vas me dire où il est. Impossible. Crane détient mon frère dans son hôpital. Et quoi que vous me fassiez, il fera pire à Walter. Oui, une autre référence de vieux, je parle d'Hannibal. Hannibal dans... l'agence sous risque. Hein. Mais bon, référence de vieux. Si je te laisse partir, surtout quitte Gotham. Ne reviens jamais et ne parle plus jamais à Crane. Il ne doit pas savoir que j'arrive. Sinon, je saurai que c'est toi. D'accord. Comme vous voulez. T'as confiance en lui, quand même, à tout. Hein. Promis. Moi, je l'enverrai un petit peu à l'hôpital, qu'il fasse de dos. Oh merde, je voulais lui demander comment il fait pour avoir de l'essence si peu cher, Crane. Ou gratuite. Oh, merci. Merci, vous ne regretterez pas. Il compte se servir de moi pour libérer son frère Arkham. Quand l'hélico aura décollé, je me laisserai conduire directement jusqu'au professeur Crane. Cette absence de pitié vous honore, monsieur. Ah, oui, bah tout n'est pas aussi cool qu'on le croit. Et un petit tour en hélico. Oh, regardez-moi ce stylé. Bon, ni vu ni connu, j'étais un bruit. Attends, reviens, je vais te passer le cul, viens ici, petit mou. Ah, il m'a pas vu. Ah. On a faim, monsieur? Vous savez, un supermarché, ça existe aussi, hein. Bon, bah, écoutez, je dis ça, je dis rien, moi. Hop là. Petite planche qui était mise là, on ne sait pas pourquoi. Bon, on va le voir se friter au monsieur, je suppose. Oh, ce drapeau dégueulasse. Ouais, bon. Ta gueule, voilà, coup de poing dans l'estomac. Comme ça, on est d'accord. Ah oui! Si tu fais les mêmes coups tout le temps, vas-y, viens. Ok, bah moi, à moi maintenant. Tiens! Hop, l'attaque de la gazelle chauve-souris! Ouf, ce uppercut. Prévenez-les que Batman arrive. Bonjour, je suis Amazon, voici votre colis. Je le dépose ici. Batman arrive. Et on revient au tout début du jeu. C'est concordant. Par contre, j'avais pas le même bas de costume.
J'ai appelé Monsieur Fox quand votre état s'est aggravé. Il a synthétisé un antidote. J'ai déjà senti ses effets auparavant, mais jamais aussi fort. Ok, et eh ben c'est parti. On va sauvegarder quand même, on sait jamais. Pouf, pouf, pouf. Et eh ben voilà, en tout cas, on va peut-être s'arrêter là. Attends, il y aura peut-être une cinématique après, alors. On va mettre... Attendez. On va mettre l'Himalaya des assassins, c'est plus loin. Sauvegarde réussi, c'est parti. Je vous laisse encore un petit peu avant de partir, parce que c'est pas tout à fait l'heure de se quitter. Les patients souffrant de crises de délire concentrent souvent leur paranoïa sur un persécuteur extérieur. Dans le cas présent, un épouvantail. Rachel est dans l'asile d'Arkham. Elle essaie de faire le lien entre Crane et Falcon. Je dois la protéger. C'est ici que nous fabriquons ce produit. Vous n'avez qu'à essayer. Détendez-vous. Oh, je vois qu'on est prêt à faire Halloween. Ah. Et nous arrivons à Arkham. Oh, il a l'air tout souriant, le méchant. Oh, c'est beau de voir des méchants souriants comme ça. Faut noter la plaque d'immatriculation, hein, qu'on la dise à la police quand même, parce qu'on est des bons citoyens. Ah, un taxi gratos aussi, ça c'est bien. Alfred, il me faut un moyen d'entrer dans l'asile. Puis-je suggérer à monsieur de se déguiser et de prétendre être une chauve-souris? Pas bête. Comment trouver Rachel? Miss Dawes est sûrement détenue quelque part dans les sous-sols. Je vous déconseille cependant un assaut frontal, monsieur. L'entrée principale grouille d'hommes de main de Crane. Seulement, je suis discrétion. Regardez comment je suis discret. Je suis... On va finir par croire que le professeur Crane a une tendance bon, à... Bon, non, non, on s'en fout de la suite. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour un prochain épisode sur Bad Fail Begins. N'hésitez pas à mettre un bad pouce bleu en l'air, à vous battre abonner et à battre partager cette vidéo. Oui, je continuerai à faire ces jeux de mots de merde. Salut tout le monde et portez-vous bien.